développement personnel, le ressenti qu'on a tous. Alors le jeudi 21 septembre, on nous a annoncé la fermeture de l'EHPAD qui accueille nos aînés dans notre structure familiale. Nous avons à cœur de mener à bien notre mission de prendre soin dans la bienveillance de nos résidents. Cela a été très violent de voir partir les premiers résidents. Le premier résident 6 jours après l'annonce de la fermeture de l'établissement. À ce jour, nous avons 5 résidents qui sont partis vers Corian-Duras. Nous avons l'impression que cela ressemble à une course contre la montre pour vider l'établissement, en proposant aux familles un mois de réduction tout en restant au tarif actuel de sauveterre. Nous ressentons un abandon de nos résidents sans réaliser de continuité de prise en charge et mettant les affaires personnelles dans des sacs poubelles, et cela est inadmissible, inhumain. Nous nous sentons maltraitants. Merci pour votre soutien. Grâce à vous, nous avons atteint presque les 2000 signatures. Merci.